Salut tout le monde, c'est Kenzo. Comment allez-vous? Moi aujourd'hui je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay, pour même deux gameplays en Uplank. Uplank, le nouveau mode de jeu sorti tout droit de Harry Potter, comme on pourrait le dire. C'est un peu, oui, comme l'a considéré plusieurs youtubeurs, un peu comme du Quidditch. Il y a une balle, enfin un satellite, ce qu'ils appellent un satellite. Il y a un satellite et on a des zones des zones, des genres de cages où il faut lancer le satellite dedans. Alors, la première partie n'est pas fameuse, mais la deuxième va y avoir plutôt pas mal de trucs. Vous allez voir que c'est un mode plutôt fun. On va pouvoir parler de Call of Duty Advanced Warfare, ce qu'il en est par rapport aux autres Call of Duty. Alors moi personnellement, je le trouve vraiment très fun à jouer. Autant sur les autres Call of, je sais pas si vous vous souvenez, sur BO2 j'avais mon 2 de ratio, je faisais des bonnes parties et bien sûr il y avait cette tension compétitive qu'on essayait d'avoir, c'était de faire une bonne partie, de vouloir faire une bonne partie absolument, d'essayer de absolument de sortir micro station chien et tout ça. Et c'est vrai que même moi quand je joue à Call of Duty, j'avais énormément envie de très joli point pour l'instant, on vient de marquer un petit point comme ça. Cette envie de faire des bonnes parties, on a tous envie de faire de bonnes parties, ça paraît logique, mais personnellement, moi sur ce Advanced Warfare, j'ai pas un très gros show, je crois que je tourne autour de 1-20, un truc dans le genre, mais qu'est-ce que je m'éclate, putain, les mecs, on retrouve vraiment les débuts de Call of où tu jouais, tu faisais des bonnes parties, ok, tu faisais des mauvaises parties, pas grave, mais tu t'éclatais. Tu t'éclatais comme jamais. Alors là, ce Call of Duty, il est... je trouve qu'il est complètement... On dirait pas un Call of Duty. Sur le gameplay, c'est un Call of Duty, mais sur la façon de jouer, j'ai pas l'impression que c'en est un. J'ai plus l'impression que ça se rapproche plus d'un genre de... Ouais, Titanfall, mieux, beaucoup mieux. D'un Titanfall, où il y a vraiment quelque chose de plus fun, de... En fait, je dirais plutôt que Titanfall devrait envier ce Call of, si vous voulez. Mais bon, bref, passons. On est sur la map je ne sais pas quoi. Alors, si je ne dis pas de conneries, et attention, c'est très rare. Non, d'accord, je plaisante. Mais c'est la map qui disait... où on disait que c'était que pour... Ah, je vais mourir, j'ai pas compris pourquoi, du coup ça m'a énervé, je me suis suicidé. Bref, passons. Alors si je me souviens bien de ce qu'ils ont dit, c'était la map où ils disaient qu'ils sortaient que pour l'édition Atlas. Je n'ai pas l'édition Atlas. C'est la map où on commence sur une arène, après il y a un volcan qui pète et on se retrouve sur une deuxième zone de map un peu à la Battlefield en ruée où on jouait, on faisait péter de bombes et hop, on changeait d'environnement. Enfin, l'environnement, c'est l'environnement. Donc, on changeait de quartier, quoi, si vous préférez. Et vraiment, ce mode de jeu-là, je le trouve vraiment super fun. On peut faire... Ça, je sais pas. C'est vraiment un mode où... t'es là vraiment pour t'éclater. C'est... Je sais pas comment vous dire. T'es là, tu meurs, et tu peux faire de super beaux trucs, hein, vraiment. Regardez, hop, je vais lancer la baballe, elle rentre dedans, voilà, là, j'étais super content. Si tu fais une... Dans ce mode-là, tu peux faire une jolie action, parce que ça revient un peu à prendre une balle, la lancer, donc vérifier un angle de tir et tout ça. Faire ça dans le plus rapidement possible, parce qu'on meurt en 2-2, hein, en une fraction de seconde, t'es mort. Je dis pas que la vie est comme Ghost, hein, je parle juste que, voilà, c'est le dynamisme fait que si tu rushes beaucoup, toutes les 5 secondes tu frôles la mort, quoi. Donc quand t'as la balle, donc t'es marqué sur la map, là ça devient encore plus chaud. Donc c'est pour ça que comme je vous dis, il y a cette joie quand tu marques, quand tu fais une super belle action. Genre par exemple, vous allez voir dans la prochaine partie, il va se passer un moment où j'ai la balle
Et ce que je vais faire, je vais l'envoyer sur le joueur ennemi. Bon, j'étais un peu loin, ou je sais pas, je sais pas s'il y a une touche pour tirer et une touche pour l'envoyer pour l'exploser, mais bref, je lui ai lancé la balle sur la gueule, ce qui a fait que lui il l'a récupéré, un peu comme la balle au prisonnier, genre je lui ai lancé, il l'a attrapé direct. Je lui ai lancé, je l'ai tué, j'ai récupéré la balle, je suis parti marquer. Ça c'était vraiment très beau, ça j'ai bien kiffé. Et là vous allez voir, je me suis fait exploser, j'ai pris un coup de balls dans la gueule. On perd 3-5. On perd 3-5 et il me semble qu'on va gagner. Après je suis pas sûr. Je viens de faire la partie pourtant, mais la partie juste après sur la map terrasse, je crois, était juste splendide. La map, enfin pas la map, la partie était juste splendide. J'ai tellement kiffé. Et oui, donc c'est un jeu vraiment que je trouve plus fun à jouer. C'est plus axé côté fun, j'ai l'impression, que côté il faut que j'ai un ratio, il faut que je joue mon ratio, etc. etc. Après, il y a toujours quelques golemons qui jouent leur ratio, évidemment. Mais franchement, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Et je retrouve une joie de jouer à Call of Duty comme j'avais perdu. Je prenais beaucoup de plaisir hein, à jouer à BO2, mais c'était pas le même plaisir. C'était le plaisir compétitif. Le plaisir, en fait, de faire une partie monstrueuse, de les exploser comme jamais. Et là, je trouve même la joie de jouer pour jouer, quoi. C'est vraiment bien. Le jeu est bon, la vie est bonne, les déplacements sont bons. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec l'exosquelette, justement. Il y a pas mal de trucs à débloquer. Je vous ferai une vidéo sur le camouflage royauté qui remplace un peu le diamant de Black Ops 2. Je l'ai pas débloqué, mais je peux vous donner un aperçu par rapport à l'exosquelette. On peut avoir l'exosquelette en royauté. Alors pour ça, c'est simple. Hein, il faut débloquer tous les... faut faire, en fait, quand vous avez une arme en royauté, le principe c'est de monter toutes les armes d'une catégorie en diamant, le diamant qui remplace l'or. Il faut monter faut faire tous les défis d'armes pour monter ton arme en diamant. Et pour avoir royauté, il faut monter toutes les armes de la catégorie, par exemple tous les snipers en diamant, et on a royauté. Et avec le camouflage royauté, alors pour les fusils sniper, je m'en souviens, on avait une genre de cagoule royauté, justement. Une cagoule royauté sur notre gueule, quoi, pour vous montrer un peu que... Pour vous montrer, je vous ferai une vidéo vite fait de pas beaucoup de minutes, juste une vidéo pour vous montrer un aperçu du camouflage royauté sur l'exosquelette. Donc je vous laisse imaginer sur l'arme, ça va être monstrueux. Alors le camouflage royauté, ce n'est pas un... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression, c'est pas un camouflage or avec des diamants, c'est un camouflage cuivre diamanté. Et on peut se dire que c'est moche, mais franchement, le cuivre, je trouve que le cuivre là qu'ils ont fait, ça une belle couleur, hein, un truc vraiment pas mal du tout. Là, vous avez vu que je suis en série de 10. En série de 10, et malheureusement, c'est 50 par point. 50, ouais. Là, vous allez voir que... Là, je viens de me rendre compte que les portes, en fait, avaient ouvert. Vous auriez vu tout à l'heure que la porte était fermée, en fait. Et du coup, je me suis senti baisé. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, le volcan, il va exploser. Et j'ai pas compris, tu vois. Et là, par contre, chose que j'ai pas compris, c'est que là, il va y avoir un ennemi derrière moi. Voilà, là, j'ai pas compris. Ça m'a mis fin à ma série. J'étais dégoûté de chez dégoûté. Bref, passons. Donc, ouais, sur ce Call of, je le trouve vraiment très bon. Après, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage qu'en passant le prestige, ça refasse comme à la MW2, en fait. Non, comme à la MW3, même. Ça veut dire que ça réinitialise tous les défis, vous avez plus vos armes en or, vous avez plus les défis, tout ça. Je pense que vous gardez exosquelette et compagnie. Ce serait un peu con si on les perd, mais voilà. Donc si vous voulez monter... vos armes en diamant, en royauté, tout ça, passez pas les prestiges, parce que ça va vous réinitialiser tout votre truc et vous serez dans la merde. Donc voilà.
Ouais, donc là vous voyez que la partie suit son cours, on a fait une remontée genre astronomique, hein. On perdait 3-5, on a 11-5. On s'est juste dit non, on va pas leur laisser la victoire, c'est pas possible, c'est juste pas possible. La partie va se terminer, cette partie là, et après pour la partie Plaza, ça va être vraiment du délire total. Je vais faire des actions dignes des plus grands films porno qui existent dans le monde, tu vois. Enfin voilà, j'espère que pour l'instant mes vidéos vous plaisent. J'ai vu aussi l'arrivée de deux nouveaux abonnés, alors je vous souhaite la bienvenue les mecs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous resterez longtemps et j'espère que moi les vidéos je continuerai sur un bon timing, parce qu'avec le Taver Media c'était galère, des fois ça me prenait la tête et du coup je faisais pas de vidéo pendant un moment, mais là c'est du tout bon, c'est du tout bénef, parce que bon, pour vous expliquer encore pour ceux qui ne savent pas, avec l'ancienne Avermedia, quand j'enregistrais un gameplay, il passait pas sur le format ne passait pas sur Vegas Pro, du coup je devais utiliser justement le converteur de l'Avermedia. Il y avait un converteur intégré en fait que je devais mettre en MP4, donc je devais convertir la vidéo une fois, ensuite la mettre sur Vegas, la convertir deux fois et ensuite l'envoyer sur YouTube pour qu'il la convertisse trois fois. Les vidéos n'étaient pas de super bonne qualité, mais là normalement ça devrait vous plaire, en tout cas je l'espère. Là vous voyez que je vais utiliser la technique du PD. J'étais presque à la fin de mon XP, du coup j'ai décidé de démanteler un peu à la Destiny, de démanteler des équipements que je débloquais avec les car package, ce que j'appelle les car package, c'est des petites boîtes qu'on débloque, un ravitaillement ça s'appelle, les petites boîtes qu'on développe, et là vous voyez que j'ai démantelé pour compte de l'XP et ça m'a donné de l'XP, justement j'ai débloqué cette arme là que je vais vouloir tester directement. J'ai pas lu les caractéristiques, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait j'aurais dû me rendre compte que c'était une arme à rafale. Du coup j'étais vraiment, mais alors vraiment dégoûté quand j'ai voulu faire mon premier 100 à la prochaine partie. Je vais utiliser cette arme, j'ai vu rafale, j'ai changé d'arme direct, j'ai fait non, ok. L'arme n'a pas voulu de moi. Donc voilà, je me suis dit bon c'est une bonne arme, je vais foutre des bons score string, le truc orbital là pour lancer des lasers et le drone. J'ai le jeu en français, sauf que j'ai mis la console en anglais parce que je trouve que la VO est mieux. Et je trouve que la VO est mieux sur le jeu. Bien sûr, quand je vous ferai le let's play de la campagne, qui est vraiment très bonne d'ailleurs, je l'ai fini. J'ai fini la campagne, je vous remettrai en français, vous inquiétez pas. J'ai fini la campagne et c'était vraiment... Je trouvais le jeu vraiment vraiment très bon, le méchant en plus est... Le méchant de l'histoire, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est un acteur super connu et je le trouve vraiment accrochant en fait dans un peu le truc. Après, bon, ça reste du Call of, il y a une trahison, ça bouleverse tout. Et là, voilà, j'étais dégoûté, là, j'ai vu le truc, j'ai fait non, ok, le jeu n'a pas voulu de moi. L'arme n'a pas voulu de moi. Et alors là, cette partie-là va être monstrueuse. J'arrête pas de bouger, je sais pas si ça va s'entendre dans le micro, mais je suis désolé si ça s'entend. Alors là, vous allez voir, ça va être une partie monstrueuse. Je vais faire pas mal de kills, d'ailleurs je crois que je vais faire le plus de kills de mon équipe, et je vais marquer des uplinks. Donc je vais jouer objectif tout en restant slayer comme je sais faire. Donc voilà. Là, toi, je vais te fracasser, t'as laissé la balle partir, la balle roule. Ok, je la récupère, hop, je monte, toc toc, je lance la balle, boum. DOS, enfin DOS, panier, on va dire panier, ou but, ou on va dire boom, voilà, quand je mets un point, on va dire boom, d'accord, de toute façon, je te demande pas ton avis, en fait, je te demande pas ton avis, voilà, donc là, vous allez voir que là, ça va être la foire au kill, va pas y avoir de grosses séries, je sais pas si je vais débloquer une fois le drone, je vous l'avouer, mais, ouais, c'est ça que, en fait, j'aime bien dans ce jeu, c'est que, j'ai pas sorti beaucoup de drones pour vous dire, c'est 4 kills. Hein. Enfin, 4 kills en MME, c'est 8 dans les autres modes en fait. J'ai pas sorti beaucoup de drones, je dois être à quoi? Même pas 50 drones pour plus d'un prestige d'ailleurs. Tiens, j'ai la console en face de moi, je vais vous dire à combien de drones je suis. Mais c'est ça que franchement j'adore, c'est que.
Même si je meurs, même si je fais pas de série, le jeu reste super bon et j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément. Donc voilà, score streak. J'ai sorti 43 drones pour le prestige 1. Pour quasiment prestige 1. Et ouais. Alors je vais vous faire une vidéo du passage en prestige en live, ma gueule. Ça va vous faire plaisir. Passer le prestige 1 en live. Ça ne saurait tarder, cette vidéo là. Dis donc, j'ai eu un peu de mal. Cette vidéo là, je pense vous la proposer pour demain. Donc alors qu'on est, on est le 6, on est jeudi 6. Donc pour vendredi, vous l'aurez. Vous aurez ensuite la vidéo sur le camouflage royauté. Certainement samedi ou dimanche. Et ensuite lundi, je vous ferai mon passage du prestige 1 en live. Là il y avait moyen de faire quelque chose d'incroyable. Sauf qu'en fait j'ai vidé toutes mes balles sur mon allié. Le seul allié qui était dans la zone, j'ai vidé toutes mes balles dessus. C'était vraiment moche. Vous allez voir aussi alors pour ceux qui ne savaient pas, j'étais sur PS3. Mais enfin pour les nouveaux abonnés, j'étais sur PS3. Et la manette de l'Xbox, j'ai beaucoup de mal à la prendre en main. Mais alors vraiment, hein, c'est la manette de la Xbox, j'ai énormément de mal à la prendre en main. Certes, il y a des fois j'arrive à faire de belles choses, mais des fois j'ai des coups de... Même pas des coups de sensi. En fait, si je baisse ma sensi, je me sens nul à chier, je tourne pas assez vite et tout ça. Là, ma sensi, elle est super bien, sauf que j'ai l'impression que des fois je mets des trop gros coups de, manette et... Et du coup voilà. Alors là, oh oui, il va y avoir une action aussi. Je vais sauter complètement random. Je vais sauter dans les airs, je vais récupérer la balle. Vous allez voir, c'est une action qui était juste complètement random, mais qui rend beau, qui rend pas mal. Franchement, ça rend pas mal. Là, vous avez vu que, en plus, tout à l'heure, j'ai récupéré la balle devant un ennemi. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle foutait là, cette putain de balle. Il y a des mecs, je crois, ils font des passes. Tu sais pas pourquoi. Ils sont là, ils font, ah tiens, attrape. Et toi, t'as pas envie, tu vois. T'as un mec devant toi, t'as envie de lui casser la gueule. Mais non, tu reçois la balle. On sait pas comment. Enfin bon. Là, bon, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ma classe. Alors, ma classe, c'est... putain, je sais même pas c'est quoi ma classe. Je vais vous dire ça, hein, j'ai le jeu sous les yeux. C'est la KF5, la mitraillette KF5, la première, celle qui a le plus de dommages dans sa catégorie. Avec la poignée ergonomique. Ouais, c'est écrit en anglais, donc faut que je traduise. La poignée ergonomique, le chargeur grande capacité et la poignée normale. Je l'ai mis en or. Je voulais la faire en fibre de carbone, mais je vous montrerai le camouflage fibre de carbone plus tard. Oh merde, je sais pas si c'était là la putain d'action que j'ai fait. Là voilà, là j'ai voulu partir. Malheureusement j'ai été bloqué par un allié. Bon, mais bon, là pour l'instant, ah oui, j'ai enregistré aussi un petit moment, enfin un petit moment. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. J'étais tombé sur un mec comme ça. Et je le voyais qu'il a commencé à... Il est arrivé dans la partie, il a dit « Bon, j'espère que je vais pas tomber encore sur des campeurs. » Oh, j'ai fait « Oh putain, le mec il va rager. » Du coup, j'ai essayé de faire une partie, j'étais en R&D et je me suis fait... Alors, c'est le seul Call of où la R&D et moi, ça fait deux. C'est le seul Call of où j'arrive pas du tout à jouer à la R&D. J'ai joué pas mal de fois en uplink parce que c'est le mode où je prends le plus de... où je délire le plus. Donc voilà, je vous parlais de mon classement la dernière fois que j'essaierai de me classer en recherche et destruction. Alors en recherche et destruction, je suis classé seulement 63 millième. Et pourtant j'ai fait que 27 kills, donc pour vous dire, j'ai fait 27 kills, je suis mort 35 fois, donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que je me fais exploser et la R&D et moi ça fait 2. Par contre en uplink, je suis 11 336ème et je prends énormément de plaisir, je kiffe franchement je kiffe ce jeu, non c'est même pas le jeu, c'est je kiffe le mode quoi, le mode est juste magique, je surkiffe ce mode, c'est un truc de ouf. Après il y a d'autres trucs que j'ai pas testé. J'ai testé quoi? J'ai testé le Hardpoint. Le Hardpoint, je suis 97 millième. La domination, je suis 149 millième. J'ai pas fait grand chose. Ah si, j'ai fait 200 kills. Ouais, bon. La R&D, bon, je vous l'ai dit, Momentum. Momentum, c'est avantage. C'est le mode de jeu avantage. Alors je sais pas encore ce que c'est. Capture de flag, ouais, je l'ai fait en 2-2 quand j'ai voulu tester un peu le mode compétitif. Ça m'a cassé les dents. Le truc, ça m'a cassé les dents parce que je suis arrivé dans une partie qui était déjà commencée déjà, donc ça m'a saoulé.
Ensuite les mecs qui sont là pour jouer vraiment en ratio tout ça, donc je voulais juste regarder, donc les mecs qui sont là ils temporisent à mort et tout ça. J'ai fait bon ok, et au bout de 2 minutes que je suis arrivé, je me suis retrouvé tout seul contre toute l'équipe, donc j'ai fait bon, au revoir. Je suis parti. En élimination confirmée, je suis 195 millième, j'ai rien fait du tout, 51 kills. Mais les générales j'ai rien fait, et MME 135 millième en même temps, il y a des putains de geeks de fou. Je suis à 400 kills en MME, le premier est un 5846, donc désolé mec. Le mec nous a explosé la gueule quoi. Il nous a violé. Bon bref, revenons à la tipa. Ah ouais, alors normalement c'est... Ah oui là j'étais dégoûté, du coup j'ai... Ah oui du coup j'ai sauté dans... Ouais c'est vrai. J'ai loupé cette action, j'étais tout seul devant les cages. Et moi au lieu de rentrer dedans comme... comme tout le monde aurait fait vu qu'il était tout seul, non, moi j'ai décidé de lancer la balle. Et en lançant la balle, j'ai complètement fail ce que je voulais faire. Donc là, vous allez voir, hop, je récupère la... Ah non, là, j'ai fait encore la même phase que tout à l'heure. Bon, on va rester sur le gameplay cette fois, je vais pas tourner l'écran sur le PC. Là, alors là, j'ai trop kiffé cette action. Donc j'ai regardé la killcam. Alors moi, je suis le seul mec capable de rusher sur 4 mecs comme ça, en atterrissant du haut, tu sais. Genre, attention. Pouf. Salut les mecs. Je me suis fait exploser. Le mec m'a mis une treha. Il m'a lynché. Ah non, oui, toi j'ai galéré à t'avoir. Toi, boum, je t'explose. D'ailleurs, t'as fait un petit vol plané. Donc pour ceux qui veulent m'ajouter, je suis sur Xbox One. J'aimerais bien un petit peu d'amis pour jouer avec vous. Non mais c'est que je joue tout seul, du coup je prends pas mal de plaisir en plink, mais quand je veux jouer dans d'autres modes de jeu, ça me gave un peu d'être tout seul, parce que des fois je tombe sur des mecs en domination et je suis arrivé dans une... Enfin je suis arrivé. J'ai commencé une partie, il n'y a que moi qui essayais de prendre des drapeaux. Hein. Là je croyais que c'était un allié qui tirait sur l'ennemi qui avait sauté. En fait non, c'était un ennemi qui tirait sur... qui tirait au loin. Donc oui, je disais que ouais, en domination, c'est vrai que j'étais tout seul à essayer de prendre le drapeau. On s'est retrouvé à la fin de la partie à prendre du 250-25. Quoi. Donc... Bon, côté inutile, on savait faire, hein. Et pourtant, j'étais bon, hein. Enfin, j'étais bon. J'avais pas mal de kills, hein. J'étais même en positif, mais ça m'a un peu cassé les dents. Là, vous voyez, hop, la balle, elle a atterri devant moi tranquillement. Du coup, je l'ai récupéré. J'ai tiré, j'ai marqué. En même temps, ça paraît un petit peu logique. Hein. Donc voilà. Là j'ai vu qu'il y avait un mec qui était dans le spawn qui essayait de spawn kill, je suis parti le chercher. Là bon, là je me fais voler mon kill, du coup je décide de reculer. En reculant je vais monter sur le toit, je vais voir qu'il y a du monde qui passe par en haut. Du coup je recule, je vais me passer voilà dans la partie middle map pour essayer d'aller justement rusher au toit. Et en rushant au toit voilà, je suis tombé sur Bobby Bryan que je te mets une balle en el culo. Là, voilà, là je cherchais mes touches. En fait, j'ai enlevé. Là, lui, j'ai mis un gros turn, il était plutôt méchant. J'ai enlevé mon mode tactique parce que là, je saute plus que je drop shot. Enfin, je drop shot jamais, donc du coup, j'ai enlevé pour mettre des coups de poing. Et voilà, la phase, je lui lance la balle, il l'attrape. Et voilà. Oh, cette phase là était juste magnifique. Elle était magnifique, faut se le dire, elle était belle. Elle était belle. Donc voilà, donc des fois je me perds encore dans mes touches et j'ai encore un peu de mal. Vous avez vu aussi pendant la phase là, quand j'ai récupéré la balle pour la première fois, j'ai eu... La balle ne sort nulle part. Elle spawn là, sur le côté, elle spawn là. Mais je l'ai eu, on sait pas comment, dans les bras. Elle est tombée comme ça. Bon, c'est la fin de la game, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un autre mode de jeu, là, c'était la découverte d'Umplink. Ciao à tous, c'était Kenzo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!